Association Médias en ligne en Haïti, CMEL, HML et RENAMEL pour rendre journalistes médias en ligne ça yo plus performant. Ministre Culture et Communication Pradel Henriques dit gouvernement là rete solidaire malgré chiripit qui gagnait en dans société ya, concernant référendum qui gagne rapport avec changement constitution 29 pas 87 là. Gouvernement haïtien toujours kembe date 27 juin 2021 pour citoyens yo ak quatre démalogues yo nan yo à travers les unes al di oui pour une nouvelle constitution ou non. Donc le problème dans la régie fait que nous pas joindre exactement reportage Renan Toussaint fait sous question et référendum nan. Donc pas oublier 27 juin c'est date qui est retenue pour référendum nan dans pays d'Haïti. Pendant ce temps gain débat contradictoire qu'a fait grand pile secteur dans la vie nationale là qui pas d'accord avec référendum non, mais gouvernement bon côté bal expliquer pour qui ça que yo obligé gain un référendum pour capable changer constitution hein, qu'on y a reportage Renan Toussaint sous question. Malgré chiripit qui gagnait en dans société là concernant référendum qui gagne rapport avec changement constitution 29 pas 87 là, gouvernement haïtien toujours kembe date 27 juin 2021 pour citoyens yo ak quatre démalogues yo nan men yo à travers les unes al di oui pour une nouvelle constitution ou non. Référendum lancé 27 juin, donc y a continué et enregistré moun pour élection et registre pour élection après al fermé comme élection prévue pour 19 septembre la fermé 19 juillet. Comment société civile haïtienne nan wè projet référendum 27 juin? Joseph Domingue Orgila qui c'est coordonnateur général Conseil national Société civile haïtienne nan, dit toute organisation qui fait partie structure la dirigée hein, d'accord avec projet ça mais faut comité consultatif indépendant hein, sensibiliser tout le monde qui pas d'accord yo avant 27 juin 2021. Il y a pas accéléré question pour permettre nous arriver dans au référendum en bayon consensus côté tout secteur impliqué, nous pensons que c'est à bon pour Haïti, c'est à bon pour les haïtiens. Président comité consultatif indépendant pour élaboration projet changement constitution, hein, M. Boniface Alexandre, fait qu'on est en pile assise déjà déroulée sous question ça à travers le pays, hein, pour qu'on y ait l'abtonne proposition chaque monde ou bien structure organisée. Yo. Sénateur Yuri Latortue, qui c'est leader parti politique Haïti en action, en même temps, membre opposition démocratique là fait qu'on est démarche ça illégal référendum là illégal li inconstitutionnel et qui ont pas de faire et pas comme ça pour changer la constitution. Nous parler ça depuis 2020, cependant nous passé international là il pas de lecture ça. Je dis à que rejoignent nous Jovenel Moïse lancé appel dialogue une autre fois encore by tout secteur clé dans vie nationale là particulièrement opposition hein, pour résoudre crise politique haïtienne. Moi pas jamais suspendre longer la même et l'ouvrir voir moi ma frère Axelio dans opposition. Pays malade, c'est petit fils seulement qui va guérir. Yon appelle plusieurs dirigeants opposition hein, Yuri La Tortue ak André Michel ak divers lot rejeté pendant que leader Conseil national société civile là Joseph Domingue Orgila accueilli favorablement. Qui faut organisation qui dans conseil là? C'est des organisations qui ont toujours prôné dialogue, qui ont prôné résolution pacifique de crise. Parce qu'on a toujours dit craser, briser, à pas mettre aucun côté, c'est Haïti qui a fait bac et c'est Haïtien qui a perdu plus espoir par rapport à ça, on a gagné comme attente de pays. Nous-mêmes nous disons, ce n'est pas nouveau parce que toute bataille qu'on a menée, c'est comment résoudre la crise d'une manière pacifique. Pendant ce temps, Conseil électoral Jovenel Moïse a mis bouche double dans le cadre de réalisation référendum constitutionnel après ça pour y passer tête droite dans l'élection générale yo fait l'année 2021. Yon dossier n'a pas suivi. Renan Toussaint pour la Voix de l'Amérique. Port-au-Prince. Autour sur la Voix de l'Amérique à permettre depuis Washington DC ou à suivre un programme en langue créole haïtienne qui c'est Rendez-vous Info. Merci d'être que toujours branché, que ce soit le matin avec Jean-Aubert Philippe dans Facebook Live ou bien, guère de fois, avec en vers 3 heures.
Et qu'on y a, nous connaissons sur toutes plateformes, yo, que c'est Facebook, que c'est Twitter, Instagram, et puis sur page site web noir, qui c'est VOA Nouvelle. Et, programme n'a pas continué, nous, et, d'abord, n'a pas connu que le premier ministre AIA, Dr. Claude Joseph, a rencontré la presse après-midi, selon notre qui sont dans Primature là, à 6h, et ça qui a débattu dans et rencontre avec la presse, ça, c'est situation sécuritaire là, donc sécurité dans le pays d'Haïti. Et puis, préparatif qu'a fait, et t'as couru dans tout ça, ça te parlait de l'île là, et préparatif pour référendum avec élection. Donc, il y a un dossier qui est chaud dans le pays d'Haïti et qui toujours, qui continue à diviser et société haïtienne. Et l'autre point dans l'actualité, pastoral universitaire archidiocèse Port-au-Prince a organisé 12e édition congrès à Anessa dans le week-end. Plus passé 400 étudiants diverses universités dans la capitale, là, tant qu'on en ville provinciale, et participé dans l'activité ça qui déroulait en baptême crise politique en Haïti, enjeu sous la vie universitaire. Après deux journées de bayo, responsable fait quelques propositions by autorité dans l'État. Détail avec correspondant de Port-au-Prince, Florence Lisney. À travers quatre panels, plusieurs intervenants ont montré étudiants qui enjeu crise politique là en Haïti gain sous la vie universitaire. Personnalité ça yo t'a analysé diverses crises pays a connaît pour tomber dans problématique insécurité en Haïti après pour garder ensemble la vie universitaire dans période crise là avant pour faire recommandation yo. Chenet Jean-Baptiste qui était parmi intervenants yo montré rapport serré qui gagne entre inégalité sociale yo et insécurité a. Inégalité sociale yo même yo générer insécurité. Inégalité sociale, yo à la base de l'insécurité qui est capable de gagner en société. En même temps, inégalité sociale, yo favorise l'insécurité. Mais l'insécurité à tout, c'est un outil pour reproduire, pour guérir et reproduire l'inégalité sociale. Yo. C'est ce que nous sommes capables de dire, un rapport dialectique entre deux, Makona et Alevini. Entre deux phénomènes. Ça qui te permet étudiants de comprendre plus bien l'impact. Étudiants dans la faculté de sciences humaines, ils ont saisi diverses formes d'insécurité à gagner et puis l'impact crise là sous étudiants. Normalement, nous sommes capables de dire nous-mêmes comme jeunes universitaires, nous payons de plein frais et bien crise politique là. Parce que avec les questions d'insécurité qui dans différentes zones, et en pile fois, nous gagnons pour nous venir dans la faculté, nous pas capables. Mais en même temps, tout, nous vivons une situation de stress continue, côté que nous pas concentrés véritablement, ou nous espace, nous avons facteurs externes, qui ont une importance capitale sous et bien résultat que nous avons dans la faculté. Après une journée conférence débat, deuxième journée en t'est consacrée à chercher ensemble solution possible yo. Et finalement, étudiants yo à responsable yo fait quelques propositions. Mais en bref, qui mandé autorité yo dans l'état prend responsabilité yo, Sinka Kwe Pè Franzi petit homme qui c'est directeur pastoral là. Ce congrès là, il y a plusieurs résolutions que je veux prendre ensemble parmi lesquelles il y aurait nécessité pour que l'État en Haïti prenne responsabilité. Quel que soit côté insécurité assorti, l'État vient pour devoir pour prendre responsabilité pour lui mettre la paix dans le quartier. 12e congrès à Pape Campé là. D'ailleurs, si l'État doit prendre responsabilité, le responsable pastoral universitaire n'a pas entendu les bras croisés. Le pastoral universitaire, non, dès la semaine prochaine, pour lancer un projet côté. Nous allons essayer. Identifier une trentaine de jeunes au minimum dans chaque quartier difficile et fragile pour nous être capables de payer, couvrir totalement une bourse en informatique bureautique pour eux. Ça fait environ presque 200 jeunes si nous identifions les quartiers qui sont chauds. Nous avons essayé de chercher les jeunes pour nous capables de commencer le projet. Ça, dans le cadre du projet d'ordre social qui est fait dans le quartier populaire.
12e édition Congrès pastoral universitaire a déroulé week-end 8-9 mai à Port-au-Prince. Activité ça qui était réuni passé 400 étudiants qui sorti dans 10 départements pays a déroulé année ça en baptême crise politique en Haïti, enjeu sous la vie universitaire. Florence Lisney Port-au-Prince pour la Voix de l'Amérique. Merci Florence Lisney, ou toujours sous la voie de l'Amérique, à permettre depuis Washington DC, mes amis. Attention, pas qu'à pont, mettre corvée, cop, pandémie coronavirus là. Même si il n'y a pas fait gros dégâts dans le pays d'Haïti, même si il est capable un petit peu parler moins de dégâts que l'a fait, mais il y a pile côté que l'a fait gros dégâts. En aide, c'est pas parler, pas même gain côté pour être capable d'enterrer le monde, c'est bouler, il est obligé de bouler le monde. Pendant ce temps, les États-Unis même continuent à mener une campagne massive de vaccination. D'ailleurs, et objectif tout neuf que le président Joe Biden gagne, c'est pour gagner 100 millions de monde qui vaccinent, 100 millions de nouveaux monde qui vaccinent d'ici 4 juillet. Donc ça veut dire 4 juillet, il y a plus passé 300 millions de monde qui a vacciné ici aux États-Unis parce que tu as déjà gagné 200 millions, mais qu'on y a gagné 100 millions comme objectif que le président gagne. Et objectif ça, là, pour le contrôler le 4 juillet, 4 juillet qui c'est anniversaire de l'indépendance des États-Unis. Donc ça veut dire, grand monde pas jouer, mettre corvée et corps, poter masque nous, qu'un peu distancio et puis laver main. Masque moi, protéger ou. Masque ou, protéger moi. En nous yon protéger l'autre. On fait coucou rouge derrière coronavirus là, qui continue à faire des gars dans le monde là. Attention, pas capon. Grand monde, pas jouer. Mettre corps, veillez corps. Oui, au sous la voie de la mer, on va suivre rendez-vous info. Nous pourrons le rejoindre. Il y a l'autre point encore qui a dominé l'actualité dans le pays d'Haïti, à côté de référendum, de élection. Premier ministre qui a rencontré avec, la presse après-midi à la, on est à 6 heures, et il n'a pas encore fait clair. Et puis, donc, nous allons retrouver Massado Vilme, correspondant de Port-au-Prince. Massado, dis-nous quelques autres points dans l'actualité dans le pays d'Haïti. Chaque mobiliser le jour qui est ça qui est plus devenu actualité, surtout pour le matin, ça qui parlait un pile dans les médias, eh bien, c'est le groupe civil armé qui souvent dans une cité dans sa vie pour avec le phénomène kidnapping. On a parlé surtout monsieur qui a évolué dans le sud capitale pays, plus précisément Grand Ravine avec le village de Zé, même qui annonçait qu'il a fait une trêve dans les kidnapping, ils ont souvent pratiqué en dans le pays. Eh bien, nous allons faire connaître que les décisions si là, monsieur, ensemble avec Zamio, ou même le prince, c'est une décision qui fait suite avec dialogue qui a été gagné ensemble avec maman et commission des armées moyens. Eh bien, nous-mêmes, nous avons essayé de contacter ensemble une responsable de la commission, ça, pour nous connaître. Est-ce que vraiment, M. Sayo, a annoncé cette rêve? Est-ce que c'est un dialogue qui a été fait ensemble avec vous? Est-ce que c'est tout bon, il a annoncé cette rêve, ça, pour environ 2 mois? Et pour qui ça, il a annoncé cette rêve, ça? Et pour qui ça, pas qu'à gagner, calme, pas qu'à gagner sécurité, ça, pas qu'à gagner la paix, ça, en d'un pays à plus tout temps. Malheureusement, nous n'avons pas réussi à jouer ensemble avec une même commission des armements. Mais, et un pile débat a fait tout ça, surtout monsieur a annoncé et nous venons faire connaître très taille après le pour moi. Pas oublier de rien que ce référendum qui a avancé tout, il y a fait élection qui a avancé tout. Eh bien, c'est un pile doute pour que ce zone taille qui est une zone populaire et qui est en contradiction, qui toujours bien un pile siège et un pile sorte de vote en taille. Donc, avec des grands pires inquiétudes par rapport avec ça, puisque il y a M. Sahel qui a annoncé un grève. Donc, on s'est battu au coin tout. C'est un moyen qui est capable de permettre le référendum dans cette lieu et qui est capable de permettre tout et l'élection dans cette lieu dans le pays. Mais il faut que nous disions tout devant nous, la police nationale dans le pays, elle-même, qui n'est pas baissé les bras. Et puisqu'il y a annoncé ce compte officiel, il y a eu une opération qui a été menée dans la zone métropolitaine pour tout le monde. Côté, il y a détenté 119 vite machines, nous connaissons que c'est un modèle qui est ancien premier ministre et Joseph Litton, qui est lancé dans le cadre d'un mouvement ou bien nous sommes capables de lutter contre l'insécurité, contre le phénomène kidnapping surtout. Eh bien, et la police nationale dans le pays d'Haïti, hier, dans le cadre d'opération, ça a détecté 119 vite machines. Et puis, ils ont confisqué toutes les machines qui ont circulé sur la plaque climatisation. Et puis, ils ont arrêté, ils ont mis
comme traduit ça, il y a des pieds tout plusieurs motos et tout route là. Donc c'est tout ensemble nouvelle ça qui fait à charité pour pas nous capable de gagner la police encore qui fait dit yon inspecteur divisionnaire c'est Gabo Désiré, bien nouvelle ça c'est toujours sous compte officiel PNH là que nous-mêmes nous apprenons nouvelle ça Jacques Rébellier. Donc, Massado, nous connaissons que, par exemple, Kafou, qu'on a été levé campé, donc Kafou, calme, jodi a. Pour Kafou, nous sommes capables de dire Kafou, gagne calme la donnée, puisque nous connaissons pendant le week-end, nous avons gagné la police qui a mené l'opération, tout, et quelques dérapages au niveau bidéton, mais nous sommes plus précisément boulevard Aritouan dans le matin, et bien situation n'est pas facile pour les gens qui a traversé et qui a fait ou ça, par rapport avec les gens qui a évolué dans la zone, ça a quitté sur la rue. Après le mot, il y a un mécanicien qui a évolué dans la zone en bas la ville, et bien il y a été sur la rue pour le mode de justice, il a fait comprendre que c'est un soldats et force la médaille ici qui a la cause de la mort jeune mécanicien ça donc nous viens pour venir avec plus de détails et sur question ça Jacques Rébellier. Et Massado, est-ce que vous avez idée sur nous connaît que gon bagay qui toujours intéressé et moun k'ap viv nan diaspora nous connaît que la voix de l'Amérique touche toute couche mais et avec un focus sur pas un focus sur diaspora non mais au grand mais qu'on nouvelle ça qui j'en goûte là est-ce que vous avez idée de qui j'en goûte là. Justement, Jacques Belizer, eh bien, non, publication que Banque République, Banque République Céréale, même l'invité, publié matin, hein, sous référencement, eh bien, c'est 86 à 87 gouttes, y'a un monde a besoin pour le dollar américain, Jacques Belizer. Ça a été qu'à focus, entre autres, sur les États-Unis avec Haïti. Situation et crise politique là, dans le pays d'Haïti, toujours été même pareillement, sans pourquoi vraiment gagner. Yon solution qui apparaît à l'horizon et débat continue à faire et mouvement à faire manifestation et puis en pile débat fait à travers dans média yo et puis insécurité a toujours à l'ordre du jour et par exemple gagné yon assassinat qui fait au niveau dans mi-temps police nationale là c'est inspecteur divisionnaire Gabo Désiré qui arrivait 8 mai qui se passe là dans zone Croix des Bouquets, et selon une autre institution, même selon notre police nationale là, concernant assassinat ça, inspecteur divisionnaire Gabo Désiré, te joindre la mort en bas, mais yon paquet qui était chargé. Axam, dans le moment qu'il t'a essayé de jouer, yon zak kidnapping, et moun nan zon nan rivre yo, yon déploré zak ça, et même gens avec institution policière qui déploré yon l'autre fois encore, yon perte nan mitan institution. Policier. Pendant ce temps, autorité dans le pays d'Haïti, poko annoncé une date pour arriver, commission et organisation État américain, qui vient, d'après sa autorité, vient faciliter dialogue entre divers acteurs dans la crise. Pendant ce temps, débat a continué dans le pays d'Haïti sous commission. Ça. Organisation État américain, OEA, apparaît pour voyer en Haïti une commission. Cap gen pour objectif faciliter dialogue entre protagonistes en Haïti, acteurs qui pas arrivé entendre sous ça cap passé dans pays d'Haïti, n'a parlé de crise politique là. Gen réaction département sous commission ça et même gouvernement qui fait demande là, regrette que c'est une institution étrangère qui a joué rôle ça dans mitan plusieurs acteurs haïtiens. Réaction ça gen pour l'entrée en Haïti, pour rencontrer avec tous les acteurs et non seulement les autorités gouvernementales. Elle a rencontré avec tous les acteurs qui impliqués et les partis politiques, les membres de la société civile et j'en passe. Je pense que là, on probablement mon dernière opportunité parce que je pense que l'île pour nous-mêmes haïtiens, nous cachons ensemble, nous résoudre le problème. Il n'est pas nécessairement forcé un étranger pour venir aider nous. Chita, mettez-nous Chita ensemble. Mettez-nous Chita pour nous parler. Je pense que nous avons décidé nous-mêmes entre haïtiens. Même Jean Ak, ambassadeur pays d'Haïti dans Washington, Bokchi Edmond. Clarence Renoir, qui c'est leader UNIR, Union Nationale pour Intégrité et Réconciliation, il dit que c'est bien dommage. Moi, je dis que c'est dommage. Haïti, c'est membre OEA, c'est normal pour OEA avoir une relation avec Haïti, avoir des rapports avec l'organisation hémisphérique. Ça. Cependant, dans le pays, il y a des institutions, il y a des personnalités qui sont capables d'organiser le dialogue. Nous n'avons pas besoin forcément de son étranger qui vient nous résoudre pour nous des problèmes que nous-mêmes encore nous créons dans notre pays.
Donc, nous-mêmes dans l'Union, nous toujours fait appel à acteurs politiques pour nous dire qu'il faut yo dépasser. Yo. Ça relie ici le dépassement de soi. Cependant, dans l'autre considération, analyste politique et journaliste Dali Valet pensait mission ça a gagné un gros défi devant et la difficile pour le bail résultat. Son commission a gagné plus de difficultés pour le bail résultat. Même le gain des acteurs en Haïti qui demandent des implications, il y a des partis politiques qui demandent des implications. Mais ce que tu veux, ce qui risque de se passer, c'est que tu as des partis de l'opposition qui plus aller dans le sens d'une médiation avec l'OEA, mais on parle dans nos côtés, on soit de corps groupe tout au niveau de l'opposition. Comment bien, oui? Même de corps groupe au niveau de l'opposition, des partis importants en opposition qui presque évolue à l'extrême par rapport à pouvoir et monsieur Jovenel là qui est capable bien et pas rentrer dans la dynamique de négociation sérieuse avec l'OEA parce que l'OEA il est très discrédité dans un secteur important de l'opposition et la difficile pour l'OEA lui-même d'arriver justement et viser joindre une médiation qui est capable à satisfaire une série de partis. Même si pour qu'on gagne une date pour arriver mission ça, acteurs politiques continuent à analyser la question et y a exprimé position dépamment. N'a suivre. Donc oui, situation toujours été compliquée avec débat contradictoire qui gagne dans pays sous question commission ça cap sorti dans organisation état américain et faut nous dire que c'est d'abord OEA te mette à la disposition d'Haïti dans cas de crise là mais faut gagner autorité pour qui te demander. Donc autorité dans pouvoir central là on dit gouvernement yo fait demande là et OEA répond positivement à demande là donc qu'on y a OEA préparé pour lui-même pour le voyer et commission ça donc objectif là c'est faciliter dialogue entre sa français arrêté protagoniste avait dit divers acteurs qui impliqués dans crise là dans pays d'Haïti donc une crise qui était toujours difficile pendant ce temps moins que deux mois et avant 27 juin 2021 qui se date pouvoir en place à Kembe pour organiser référendum constitutionnel là qui a rapport avec changement loi moment loi pays a débat contradictoire a persisté dans mitan société a concernant nouveau projet ça. Ronan Toussaint a présenté nous un reportage depuis capitale haïtienne Port-au-Prince. Semaine lundi 3 pour arriver vendredi 7 mai 2021. L'ouvri à célébration 30e journée mondiale Liberté la presse qui déroulait sous thème l'information comme bien public. UNESCO avec différents partenaires internationaux, tant qu'Union européenne, Nations unies, dans le cadre d'une cérémonie commémorative, mettez-vous d'accord pour travailler avec trois grands. Ok, merci Massado Vilme. Massado Vilme, c'est correspondant nous. Dans Port-au-Prince, merci pour toute précision, ça y est. Et nous pral qu'on y a quitté actualité dans le pays d'Haïti pour entrer ici aux États-Unis. Eh ben, nous connaît président Joe Biden rencontré avec parlementaires et yo discuté sur création travail et puis yo discuté tout sur économie pays. Jean-Robert Philippe qui a suivi pour nous actualité ici aux États-Unis dit nous leader américain encouragé parlementaires pour voter plan plus passer 4 milliards de dollars cap relancer économie. Jean-Robert Philippe dit nous plus. Président Joe Biden, effectivement, pas suspendre le travail avec les parlementaires, surtout parlementaires républicains, pour convaincre de son nécessité pour voter en faveur du projet infrastructure LIA, avec le projet plan familial LIA, une façon pour créer le travail. Et une fois que le travail est capable de créer, eh bien, ça va faire l'économie du pays à une j'arrête. Président Joe Biden a rencontré les parlementaires américains pour jouer un point commun sur le plan relance économique LIA qui vient là-dedans, dépenses infrastructures, soins santé pour tout le monde avec éducation. Je t'ai parlé ça fait dans le moment où les États-Unis rapportent une baisse dans la quantité de monde qui travaille comparé avec la prévision. Dernier chiffre dans la quantité de monde qui vient de travailler aux États-Unis montrent que l'économie a une longue route pour le faire avant de reprendre forme ni avant la pandémie. C'est la raison qui fait que le président Joe Biden a fait une série de consultations avec les parlementaires pour approuver le projet de loi puis passer 4 000 milliards de dollars dans deux domaines qui sont infrastructures avec la famille.
Département de travail américain a déclaré quantité de monde qui est dans le chômage a augmenté de 6,1% pour le mois avril, soit une augmentation de 6%. Employeur américain a ajouté 266 000 emplois pour le mois avril, d'après responsable département de travail, chiffre qui est plus bas que 1 million analystes ont été projetés. Président Biden défend fort l'administration de l'IA avec gros assistance économique, Congrès a été voté mars passé à 106 pour les républicains. It was designed to help us over the course of a year, not 60 days. President Biden déclaré plan pas de gain pour objectif aider pendant toute année, pas seulement pendant 60 jours, yon l'année. Non pas jamais pensé après premier 50 ou 60 jours que tout bagage est en forme. Bien pile des accords sous raison qui fait reprise travail à l'enconsa aux États-Unis. Quelques experts parlent sous obstacles qui existaient pour le monde qui a retourné travail, tant qu'accès limité sous soins santé et puis l'école qui pas l'ouvrir totalement. Ça qui a affecté mesdames particulièrement. Quelques républicains parlent pour dire augmenter l'assistance chômage là trop généreux et n'y pas encourager le monde à retourner travail. Paying unemployment benefits that are more than a person makes working. Sénateur républicain Pat Toomey, qui a participé dans le programme Sainte Télévision ABC District, parlait pour dire payer une assurance chômage qui est plus élevée que la quantité d'argent, un monde qui a travaillé à toucher, pas encourager concerné à retourner au travail. Mais quelques groupes progressistes expliquaient le problème, non, c'est que le salaire est trop bas dans le pile travail. Wages are so low at this point. People, we need to talk about Yves Simpson, chef exécutif de démocratie pour États-Unis, qui a participé dans le programme chaîne télévision ABC This Week, expliquait salaire mon est tellement bas, nous besoin de yo, mon surtout mon capoter travail, que y a pas un salaire raisonnable pour capoter un travail. Ministre américain Janet Yellen déclaré semaine passée, dit quoi que tout le monde prend le travail aux États-Unis l'année prochaine et que chiffre montre que nous pouvons finir. Président Biden déclaré taux croissance faible, le monde qui travaille là fait le pire pour voter en faveur plan dépenses sur infrastructure, même gens avec plan familial là, tant qu'on étend crédit sous taxe infantile là. Tous les plans ça yo mandé pour taxes augmenter sur américain riche avec entreprise qui en pile républicain pas d'accord. Donc effectivement j'entendais là c'est pas bon qui aussi facile pour président Joe Biden pour que arrive convaincre les républicains parce que les républicains eux-mêmes ça a demandé la cunia soit fait prix plus passer 4 000 milliards de dollars c'est que dit l'argent ça dit trop cher, il coûte trop. Et qui est-ce qui va le payer? Mais va bien que le président Biden dit lui-même, c'est Américain riche avec gros entreprises qui va le payer l'argent pour financer le projet ça. Mais les républicains eux-mêmes, ils disent qu'ils ne sont pas là-dedans, ils ne sont pas dans le projet ça. Et nous rappelons le projet qui est passé dernièrement, et le projet ça, tout simplement, c'est des démocrates seulement qui ont voté et les républicains ont campé en quoi contre. Merci Jean-Robert Philippe. Jean-Robert Philippe, il se trouve avec nous. Et point cap dominé actualité ici aux États-Unis, c'est lui couvre pour nous actualité aux États-Unis. Faut dire tout que responsable d'un gouvernement fédéral États-Unis travaille dans tête collée hier dimanche là à compagnie Colonial Pipeline cap opérer dans tuyau gaz hier dimanche là et une façon pour aider le contrecarrer yon attaque pirate internet qui forçait compagnie yon fermer réseau gaz naturel important qui alimentait état dans partie l'est les États-Unis. Yon côté qui chargé avec moun. Mes amis, c'est là nous mettez fin dans le programme aujourd'hui. C'est ton plaisir. Comme d'habitude, pour nous servir, nous pensons que nous avons passé un bon week-end et nous souhaitons déjà passer une bonne semaine. Nous remercions moun qui étaient dans la salle.